T'es jalouse. Non. C'est sûr que t'es jalouse. On l'avoue, ouais. Dis que t'es jalouse. Dis que t'es jalouse. Dis que t'es jalouse. Dis que t'es jalouse. T'as 3 minutes pour dire que t'es jalouse. Je suis jalouse. Voilà. Elle est jalouse, mes chéris. Hey, boum. Non, j'étais encore trop moche. On recommence. C'est vrai. Vas-y, 1, 2, 3. Attends, ça fait. Hey. Hey. Boubou, hi. Boubouha. C'est gênant toujours autant. Coucou mes chéris, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Et cette fois-ci je vais dire qu'on avait trop hâte de faire. Comme d'hab on dirait des robots formatés. Mais je vous jure sur la tête de ma mère que j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Je suis trop excitée de la faire. Je pense que ça se voit, je vais vous communiquer ma bonne humeur. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Attends, c'est quoi le titre exact de la vidéo? Pack opening. Je suis pas au courant. Ouais, c'est bon, hein, Jeannette. Ouais. J'ai rien fait. Non, j'ai fait comme ça. C'est tout ce que je déteste quand tu dis qu'il y a un truc avec une meuf et qu'elle fait. Genre, t'es une grosse merde. Donc, mes chéris, aujourd'hui, on se retrouve. Faut pas crier. Ils m'ont dit, ouais, tu cries trop et tout, mais excuse-moi, je vais pas me mettre. Je sais pas, je parle comme je parle, non? Étouffe-toi en même temps, non? Bah, non, mais franchement, on doit parler soi-disant moins fort. Y a pas de micro, sachez-le. Le jour où on va mettre un micro. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va se retrouver pour une vidéo. On teste les objets les plus stylés de TikTok. Enfin, les plus stylés qu'on a vus sur TikTok, en gros. Et que du coup, TikTok nous a fait acheter. Ce qui est trop bien, c'est qu'on va unboxer tout ça avec vous, puisqu'on vient à peine de les recevoir. Je les ai commandés hier. Vidéo non sponsorisée. J'ai commandé tout ça sur Amazon, mais c'est parce que c'est trop bien, quoi. On reçoit hyper vite. Bref, il y a plein de vidéos qui arrivent comme ça sur la chaîne, donc abonne-toi si c'est pas encore fait, like la vidéo et suis-nous sur TikTok parce que bah, on est 1,6 million d'abonnés, presque 1,7 million d'abonnés, donc voilà la base. Donc vas-y, on va arrêter de parler tout de suite, on va commencer. Premier emballage, je crois que j'ai pris 5-6 trucs, mais c'est que des bêtes de trucs, Et je vous dirai les prix et tout à chaque fois, et aussi je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, même si j'ai rien à y gagner. Donc la première chose du coup mes chéris, c'est ce petit projecteur LED qu'on voit partout sur TikTok. Franchement c'est un truc de fou. Ouais. Bah alors elle est pas... Ah bon? Bah bien sûr. Bah, ça fait le buzz en même temps que le projecteur Galaxy. Sauf qu'ici du coup, maison qui sont archi pourries comme d'hab depuis le début de la chaîne. Ça change pas, ça bouge pas. Je m'en fous. C'est un projecteur qui sert à quoi? Pour regarder des films et tout. Ah c'est un projecteur quoi. Bah ouais c'est un projecteur pour regarder des films etc. Mais en fait il est tout petit. Fais voir comment il est. On va le tester. Donc il est tout petit comme ça. Il est trop beau. Je l'ai quand même payé 70 euros. Donc ça a intérêt que c'est le feu. Parce que franchement sinon je vais péter un câble. 70. Bref, go tester tout ça. Et voir si c'est bien ou si c'est un fail. Là il vous suffit juste de faire ça. Je fais la traductrice. Yes. And a put. Don't put. Une terre. Mais chérie là je vous projette ici. Mais logiquement ben il faut qu'il fasse noir. Et vous allez mieux voir. Et là, du coup, vous pouvez avoir accès à vos photos, regarder un film et tout. En soi, franchement, je suis pas fan. Je trouve que la qualité, elle est pas ouf. Même qu'on règle la netteté, bah, pour moi, on voit pas bien. Déçu, choquée. Là, vous pouvez regarder un film dans la bouche des gens. Ah, voilà. Et là, je regarde ma pellicule photo dans sa bouche. Ah, ouais, j'aime trop. Du coup, mes chéris, je suis trop contente, on a pris cette machine. Du coup, mes chéris, je suis trop contente qu'on a pris cette machine. Sérieux. C'est toi. J'ai pris cette machine à popcorn. Pareil, je la voyais partout et ça m'a trop donné envie. Et puis en plus, on n'arrête pas de faire des soirées film. Du coup, je me suis dit que c'est trop bien. On va poser ça sur la table. On va se faire nos petits trucs. Mais en plus, j'ai pris des vrais trucs comme ça pour faire le popcorn. Et du coup, des trucs de maïs bio. Ah, deux fois plus. Bah il y en avait eux, c'est les mêmes en plus. Ok, il y en avait déjà dedans, trop bien. J'ai pas. Ah non, je crois que j'ai payé 39 euros. J'ai payé 39. Attends, ce calme pas. 39,90. Parce qu'il l'avait aussi à 59 et tout, mais des fois il y a des graves d'arnaques sur Amazon. Waouh. Mais regardez cette mignonnerie, c'est trop stylé, franchement. On va aller tester ça et on va voir si c'est bien ou pas. Donc là mes chéris, c'est Lilou et Swan qui vont faire la démo parce que autant vous dire qu'il faut bien que je filme et que Swan il était trop impatient aussi de tester du coup la machine. Et ça c'est pas des popcorn. Si si.
Vous l'avez vu, c'est avec ça qu'on fait des pop-corn. On va les mettre des dingues. Ah, pour les fabriquer. Tiens Swan, ouvre un petit pot à pop-corn. Oh, trop bien. Donc là c'est parti Lilou, elle va remplir la petite coupelle. Mais il faut l'allumer. En fait là les petites graines de maïs elles sont en train de chauffer. Et après elles vont tellement être chaudes qu'elles vont exploser. Et ça va faire du popcorn. Mais par contre c'est bruyant hein. C'est archi bruyant mes chéris. Ça commence à sauter mes chéris. Ça commence. Papa yeah. Ça n'a pas encore tombé pour les... Petit gourmand là. Mais franchement, c'est le feu et je note 10, 50 sur 10 encore. Ah ouais. 50 sur 10. Trop, trop bien. Quand tu seras grand, tu le donneras moi ou à Lyon. Ok, donc là, c'est trop bien. On a vu aussi que du coup, il y avait un trend. Oui, enfin, un trend. Il fallait acheter sa gourde. J'ai pas trouvé, c'était une gourde Yeti, je crois. Mais moi, j'ai pris celle-là. Par contre, la gourde, elle était un petit peu chère. C'est en fait une gourde. En fait, vous achetez à part la gourde et à part les stickers. Et vous pouvez customiser votre petite gourde. Regardez, elle est trop belle. Oh, McDo, je crois que j'ai payé 29€ la gourde. Mais c'est une gourde qui est thermos, donc du coup, trop bien. Et franchement, elle est archi stylée. Qui peut me dire le contraire? Toi, tu vas me dire le contraire? Bref, du coup, pour les stickers, franchement, ils étaient pas archi chers. Mais il y a plein de sortes. Il y a Jordan. Et en fait, ça consiste... Oh, il y a Insta, YouTube et tout. Et en fait ça consiste à faire ta gourde à ton image en fait. Une gourde qui correspond grave. Donc on va faire la mienne. Ils sont trop beaux. C'est quoi de ces stickers trop stylés là? On a Google. Il y a même H&M, MDR, Mika Walpé. Oh la Jordan. Bon déjà on sélectionne mon côté. Déjà je prends une Jordan pour sûr. Moi je prends McDo. Je vais laisser Lilou customise ma gourde avec des trucs que tu penses qui me représentent. Déjà YouTube hein, c'est ce qui te représente le plus au monde. Je pense qu'avec Instagram c'est des trucs qui te correspondent le plus. Ça y est, on a fini de customiser. Dites-moi ce que vous en pensez, je crois vraiment on a la gourde la plus stylée du game. C'est la KFC. On a mis du KFC, où on a fait ça, des petites Insta, des fuck, des Jordan. Bon là Lilou elle s'est un peu gourée sur le stickers. Et ce qu'il y a de trop bien c'est que c'est des stickers plastifiés, donc vous pouvez laver votre gourde et tout, ouais, ça va pas partir. Trop bien, dites-nous en commentaire si vous kiffez comment on a custom la gourde. Mais en tout cas je trouve que c'est grave une bonne idée pour avoir sa propre gourde. Mais chérie, l'autre carton, il est trop gros. On peut pas l'ouvrir face à vous. Mais du coup, on va l'ouvrir à terre. Et là, c'est genre le truc que j'attendais le plus de cette vidéo. Sur la photo, on aurait pas dit que c'était aussi grand. Hein. Ah, tada! Oh my god! J'ai pris un petit frigo à cosmétiques, genre parce qu'on voit ça partout aussi. Et là, j'ai l'impression qu'il est énorme. Je me dis, je l'ai payé cher parce que je l'ai payé 129€, je crois. Et je quoi sais. 129€, je crois. Et je quoi sais. Ouais. Sur Asso, si vous voulez, il y en a des moins chers. J'ai vu, il y en a une à 60€. Un style pro. Bon, je vais déjà l'ouvrir au lieu de remonter. Mais. Oh. Oh. It's just cutie. Oh my god, mais il est énorme. Attends, mais ça c'est pas un petit... Mais mon dieu, attends, attends. Il est énorme, mes chéris. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi gros, genre. Regardez.
Oh là là, je suis trop excitée. Oh la mignonne. Oh la picios. Oh, on va le petit bout. Attention, fais-le pas tomber, fais-le pas tomber. Bon, 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 je comprends pourquoi je l'ai payé 129 euros. Ok, ok, ah, ok. Ouais, non, ok, les gens, il est. Attends. Il est plus grand que les autres. Regarde. Ah, ma peau. Tu l'as rentré. Regarde, regarde. Là, la petite poignée. Il est trop stylé, c'est le plus stylé des frigos que j'ai vu. Ça a knicker. Il y a un petit bouton. Oh, il y a une petite poche. Ouais, ben, ça c'est normal. T'es jalouse. Hein? T'es jalouse. Non. C'est sûr que t'es jalouse. Oh, j'aurais pu tomber de la bouffe. Mais... C'est sûr. Dans notre cabane, on pourra mettre de la bouffe. Hein. Bah ouais. C'est sûr que t'es jalouse. On la bouffe, ouais. Dis que t'es jalouse. Oh. Dis que t'es jalouse. Dis que t'es jalouse. Dis que t'es jalouse. T'as 3 minutes pour dire que t'es jalouse. Je suis jalouse. Voilà. Elle est jalouse, mes chéris. Du coup, elle est vraiment. J'ai des sentiments pour. Sauf pour les. Comme dirait mon beau vieux ancêtres sont pour nous. Donc voilà mes chéris, on va l'installer ici dans mon dressing. Et du coup, voilà comment il est de près. Petit tiroir rose gold. Non, franchement, je regrette pas de l'avoir payé un petit peu plus cher. Parce que vraiment, elle est bon. La boue. Vas-y, Lilo installe. Là, c'est soit vous vous mettez comme ça pour pouvoir mettre des rouges à lèvres, etc. Des petits tubes. Soit vous l'enlevez. Vas-y, reste un peu dessus. Donc là, c'est bon, on a... Il est branché. Il fait du bruit. Et voilà. Tiri. Oh, c'est froid. Et du coup, quand vous mettez votre maquillage et tout dedans, et ben ça a un effet rafraîchissant pour les contours des yeux et tout. Bon, go le remplir. Hein. Allez, surprendre. Donc voilà ce que ça donne pour le petit frigo. Franchement. On kiffe, je valide 10 sur 10, 50 sur 10, ce que vous voulez. C'est canon. Lilou, ouvre le tiroir. Bon, il reste encore un peu de place pour mettre d'autres choses, mais on verra ce qu'on met par la suite. En tout cas, là, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Voilà, un petit tiroir à skincare, et puis voilà. Voir ça, il faut que je vous montre du coup. En fait, il y a la température du frigo qui s'affiche juste ici, en LED. Et je pense qu'au plus ça va refroidir, au plus ça va changer. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais elle me coûte même pas. Pour terminer, mes chéris, on a pris ça. Je sais même pas si tu connais ce trend, puisque moi je suis plus sur TikTok qu'elle, puisqu'elle s'est fait bannir. Si jamais vous posez la question, je vous déteste. Non. TikTok. Ouais. En fait, c'est un. De toute façon, je vous mettrai une vidéo pour vous montrer. En fait, c'est un genre de sticker ah, comme oui, ça. J'avais oublié. C'est même pas autocollant en fait, c'est pas autocollant, c'est juste ça se... C'est magnétique. C'est statique. Ouais. C'est statique, vous collez sur vos fenêtres. Et en fait quand le soleil va rentrer chez vous, et ben ça... Oh regarde oh. Quand le soleil va rentrer chez vous, ça va refléter tout en arc-en-ciel. Et je trouve ça trop cute et je vais... Et puis ouais, en plus c'est trop bien. Parce que du coup les gens ils peuvent plus voir chez vous. Si vous le collez sur votre fenêtre. Donc je vais en mettre là si je peux. Je vais mettre en haut avec vous dans ma chambre dans et ma on va voir aussi. Ce que ça donne. Dans ouais, dans la chambre de Lilou si elle veut. Et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Ah, on va avec Lilou, on va... Faut prendre la mesure de la fenêtre et du coup là on va en coller en deux fois. On va bien prendre les mesures et ensuite on va couper à ras. Faut bien que le carreau soit nettoyé, pas comme nous. Et ensuite on va coller. Ça colle. Non, ça colle. Ça colle pas, c'est vraiment que statique. Waouh. J'ai mis qu'une moitié de fenêtre parce que je vais attendre mon chéri pour qu'il m'aide parce que je galère. Mais voilà ce que ça donne, vous voyez, ça fait comme des vitraux. Enfin franchement, c'est ultra joli mais c'est un peu une galère à mettre, c'est pour ça que j'ai pas pu vous filmer parce que franchement, on galérait. Franchement, à voir en tout cas dans ma chambre, j'ai rien qui reflète pour le moment. J'ai pas d'effet arc-en-ciel donc. Si, il y a quelque chose qui en fait c'est moi. Ouais, MDR. Mais en fait, il n'y a pas trop de soleil non plus dans le nord. Et je pense qu'il faut mettre sur une fenêtre qui a un accès direct
au ciel. De toute façon, je vous ferai une autre fenêtre qui a un accès plus direct et je vous mettrai les résultats sur Instagram. Donc viens me rejoindre, je te le mets juste ici. Donc voilà mes chéris, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, en tout cas, moi personnellement, hein, mon cœur est bas à 2000. Parce que j'aime trop tout ce que j'ai pris et je trouve vraiment que c'est les objets les plus stylés de TikTok en ce moment, mis à part le projecteur et tout, je vous ai déjà montré. Du coup, si vous voulez une autre partie, mettez-le nous en commentaire et likez à fond cette vidéo. Si vous voulez une autre partie, on dit qu'à 15 000 likes, on fait une autre partie. Voilà. Mais il y a plein d'autres vidéos dans le style qui arrivent et là, je suis trop excitée parce que j'ai plein d'idées de vidéos qui vont arriver. En tout cas, mes amours, Knickers. Allez, Lilou s'entraîne pour sa future chaîne. Vas-y, Lou. J'espère que ça vous a plu. Oh, sinon, peace. Gros bisous. Moi. Arrête de me repousser.